Bonjour à tous. Pour toi qui tombe sur cette vidéo, aujourd'hui je te propose un tirage à choix, c'est-à-dire je vais choisir trois cartes, ce sur quoi en ce moment tu dois le plus travailler. Je vais essayer de détailler un petit peu, vous connaissez un petit peu nos vidéos, donc vous savez comment ça se passe. Trois cartes. Vous prenez le temps de bien respirer, inspirer. Je bloque un petit peu, j'expire, afin de poser un petit peu le mental pour pas qu'il vienne vous déranger. Et vous prenez la carte qui vous parle le plus ou le nombre qui vous parle le plus. Allez, c'est parti. Alors, je vous laisse respirer quelques instants. Il y a un chat qui est rentré dans la pièce. Et on y va. La première carte, on te dit, en tout cas le conseil que l'on te donne aujourd'hui, c'est de travailler sur un renouveau énergétique. Alors, les changements, en général, tu es quelqu'un de très sensible aux mouvements, notamment lunaires. On te parle de mouvements lunaires. Et en fait, on te demande de travailler notamment vers ce changement énergétique. Par de la méditation, par des soins énergétiques, si ça te parle, bien évidemment, ou d'autres méthodes. Surtout, change ta façon de voir les choses ou d'interagir avec les événements de la vie. Va te promener en extérieur, te connecter à la nature. On te dit aujourd'hui que voilà, il y a des choses que tu as besoin de lâcher. Donc n'hésite pas à t'ancrer par des techniques simples pour te reconnecter à toi-même. Donc en fait, il y a un vrai tournant qui est en train de se mettre en place pour toi. Et on te demande justement d'anticiper ce changement qui arrive. Méditation. Pour la carte numéro 2. Alors aujourd'hui, on te demande de te recentrer à toi-même, d'aller explorer ce côté-là de toi. Je sais, tout le monde n'est pas adepte à la méditation. Il y a la méditation simple avec des bruits de rivière, de nature. Il y a des méditations guidées qui vont vous faire travailler sur des thèmes comme une certaine forme d'auto-hypnose. Il y a de la méditation consciente. Alors ça, j'aimais bien la pratiquer, c'est-à-dire, bah pareil, ces techniques de respiration que je pratiquais en pleine nature. Et à un moment donné, je parvenais à basculer dans un état de conscience modifié, un état second. Et en fait, j'étais capable de percevoir tout ce qu'il y avait autour de moi. Le moindre petit détail, je l'avais. Donc, pour toi aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est recentre-toi sur toi afin d'écouter ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Pour toi qui as choisi la carte numéro 3, on te demande notamment de travailler sur ton mental. Tu es aujourd'hui dans une période de ta vie où il y a beaucoup de questionnements qui créent des émotions d'angoisse, peut-être même des crises d'angoisse d'ailleurs. Et on te dit qu'il faut que tu parviennes à tenter de maîtriser. Alors je sais que c'est pas facile, hein. Le mental est et vient nous perturber quand même. Souvent, dans notre quotidien, on est traversé par des pensées de manière continue. Donc, quand tu observes une pensée qui devient trop lourde, trop pesante, trop chargée, voilà, tu visualises et tu fais en sorte de l'écarter en te recentrant sur ton moment présent afin d'éviter d'être soit trop lié aux émotions du passé ou à vouloir anticiper justement les événements futurs. Reste dans l'instant présent, c'est là que se passe ce moment, c'est le cadeau qu'on te fait à l'heure actuelle, alors profite pleinement. Je te souhaite une belle journée.